أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين وعافنا واعف عنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم Donc je vais vous parler d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je remercie l'association Havre de Savoir de m'avoir invité, aussi de choisir un sujet très important, parce que c'est à travers les histoires de ces grandes personnalités de l'islam qu'on comprendra aussi notre engagement vis-à-vis de notre belle religion. Donc, d'abord, je fais une petite introduction générale sur les compagnons et notre position par rapport aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, je parlerai de Abu Bakr dans le Coran al-Karim. Qu'est-ce que Allah nous dit à propos de Abu Bakr al-Siddiq dans le Coran al-Karim? Quels sont les versets qui parlent de lui? Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son premier compagnon Abu Bakr? Après, je parlerai de Abu Bakr avant de devenir musulman. Abu Bakr, quand il est devenu le premier musulman, et sa vie musulmane à la Mecque. Je parlerai de l'Hégire, la Hijra, parce qu'Abu Bakr, comme vous le savez, était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ce voyage magnifique et qui était un tournant dans l'histoire de l'islam. Je parlerai après de sa vie à Médine et de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment Abu Bakr est devenu le premier calife de l'islam. Et par la suite, Inch'Allah, après la pause, on parlera de sa mission quand il était calife. Et les grandes réalisations que Abu Bakr Siddiq, les grandes réalisations que Abu Bakr Siddiq a faites en tant que calife. Sachant qu'il n'est resté calife que 2 ans. Donc voilà le plan de mon intervention, Inch'Allah. Je ne sais pas si... Ça va. Voilà, Inch'Allah, je commence par introduire ce séminaire par de parler des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir une chose, que pour nous musulmans, cette génération des compagnons est la meilleure génération qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait surgir pour l'humanité. C'est les gens qui ont porté l'islam. La meilleure génération, c'est la génération des compagnons. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith. La meilleure génération, le meilleur siècle est mon siècle, dit sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est des gens qui ont été éduqués, préparés directement par le meilleur éducateur qui est notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une certitude. Ça ne veut pas dire que après les compagnons, il n'y aura pas des gens qui sont bons. Non, chaque génération, dans chaque siècle, il y aura des gens bons dans la religion musulmane, des gens qui vont porter la religion, qui vont œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont être sincères et véridiques. Ça, c'est une certitude. Mais on ne trouvera jamais une telle concentration de personnalités qui ont porté l'islam au début. On ne trouvera pas cette génération, ce nombre de personnes importantes qui a donné tout pour sa cause, qui est la cause de l'islam. Donc, la meilleure génération, c'est la génération des compagnons. Et ça, c'est une certitude. Ils sont tous considérés comme des étoiles. Chacun d'eux ou chacune d'elles, parce que quand je parle des compagnons, je parle des compagnons hommes comme des compagnantes, si je peux m'exprimer comme ça, femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soutenu par les hommes et aussi par les femmes. Et chacun d'eux ou d'elles est pour nous un exemple dans son domaine de spécialité. Donc chaque compagnon, on va voir... Inch'Allah, si on va... En tout cas, on va le voir à travers Abu Bakr Siddiq. Mais chaque compagnon avait une particularité, un domaine où il a excellé. Et c'est pour nous, tous les compagnons sont des exemples pour nous. C'est comme des étoiles.
Il y a un hadith qui le dit un peu, même si ce hadith n'est pas authentique, mais le sens n'est pas forcément authentique, mais le sens de ce hadith est vrai. Et nous avons l'honneur d'être les héritiers de ces grandes, de ces compagnons, de ces hommes et de ces femmes. C'est eux qui doivent être pour nos enfants les stars à aimer, à suivre. Malheureusement, aujourd'hui, nos enfants s'intéressent beaucoup à des personnes qui n'ont aucune moralité, qui, voilà, des chanteurs ou des footballeurs. Alors que si on connaît la vie de ces compagnons, de ces gens qui étaient des vrais hommes et des vraies femmes, et qui sont vraiment d'une grande moralité, d'une grande importance, on réfléchirait autrement, parce que c'est eux qu'on doit prendre comme exemple et que nos enfants doivent prendre comme exemple. Et donc c'est un peu le rôle des parents d'initier leurs enfants à aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à aimer ses compagnons. Il y a quelque chose qui est étonnante, c'est qu'on voit les Arabes avant l'islam et on voit les Arabes après l'islam. Et c'est un changement radical. On peut se demander comment ces gens-là qui... avant l'islam, se permettaient de tuer leurs enfants, leurs filles, parce que c'est une fille, juste comme ça, d'adorer des statues, de boire de l'alcool jusqu'à devenir ivre complètement et faire des choses qui sont contradictoires avec la raison humaine et même la moralité. Comment ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a réussi à les transformer complètement en l'espace de 23 ans, hein, 23 ans, le prophète a vécu en tant que prophète, 23 ans. Comment il a réussi à les transformer complètement et faire d'eux des gens extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils dépassent même l'entendement dans leur sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans leur compréhension, dans leur amour pour Allah et pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va le voir, inshallah, à travers l'histoire de Abu Bakr. C'est étonnant comment cette génération a été transformée complètement. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est la manière, l'éducation prophétique. C'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su éduquer ces gens-là. Il les a vidés, il les a remplis, comme disaient les compagnons. Le prophète les a vidés et il les a remplis. Il les a vidés de toute jahiliya, parce que jahiliya, c'est l'époque de l'ignorance avant l'islam. Et les compagnons disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous vidait pour nous remplir. Il les a vidés des anciennes habitudes, des mauvaises choses qu'ils avaient reçues avant l'islam pour les remplir par les bonnes choses, par les bonnes qualités. Les Arabes n'étaient pas, bien sûr, j'ai tracé un peu une image assez négative, mais il y avait quand même certaines qualités comme le courage, comme l'hospitalité, comme l'engagement, bien sûr. Il y avait des qualités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé les bonnes qualités chez ces gens-là, d'accord, a enlevé les mauvaises qualités, les défauts, et il les a remplis par que des bonnes choses, sallallahu alayhi wa sallam, et a fait d'eux des hommes et des femmes extraordinaires. Il faut savoir une chose, que c'est pour nous musulmans, les compagnons, les sahabas, on dit les sahabas, sont tous intègres. Udoul, on dit udoul, c'est-à-dire des gens véridiques, des gens intègres, des gens qui ont une vision et qui ont une personnalité correcte. Nos savants parlent de ce point-là quand ils parlent de la foi. Ça fait partie de notre foi de croire que tous les compagnons, sans exception, tous, sans exception, quelqu'un qui a vécu comme compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi la définition d'un compagnon? C'est quelqu'un qui a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est converti à l'islam avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est devenu musulman avant que le prophète meure. Dès qu'on a cette définition qui est vérifiée, cet homme ou cette femme est considéré comme compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc intègre. Quand un hadith est rapporté par un compagnon, on ne va pas voir est-ce que ce compagnon il a quel statut, est-ce qu'il est véridique ou est-ce qu'il est intègre. Non, non, on ne le vérifie pas parce que c'est un compagnon. Le fait qu'il soit compagnon lui donne un statut particulier. D'ailleurs, dans une chaîne de transmission d'un hadith, d'accord, on va vérifier toutes les personnes jusqu'au compagnon, et quand on arrive au compagnon, pour nous le compagnon est intègre, il est véridique. On n'a pas besoin de vérifier, parce que pour tous les autres, on vérifie est-ce qu'ils ont menti, est-ce qu'ils ont oublié, est-ce qu'ils ont fait ça, d'accord. On vérifie leur moralité, leur intégrité. Sauf pour les compagnons, on vérifie rien. Quand on dit Aïcha a dit, Aïcha dit la vérité tout le temps. Quand on dit Abdullah ibn Mas'ud a dit, Abdullah ibn Mas'ud dit la vérité tout le temps.
D'accord ? Quand on dit Muawiyah a dit, Muawiyah dit la vérité tout le temps. Quand on dit Ali radiallahu anhu a dit, Ali dit la vérité tout le temps. Si Ali dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, ben c'est qu'il l'a entendu vraiment. D'accord ? On ne va pas vérifier est-ce que Ali a oublié ou... Non, parce que c'est un compagnon. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Et pourquoi ? Pourquoi vous savez pourquoi les savants classent ce point comme... Parce que c'est un point historique, on va dire. Ça n'a rien à voir avec la foi. Si, ça a à voir avec la foi. C'est pour ça que les savants musulmans classent l'intégrité des compagnons comme dans une problématique de la foi musulmane, de la croyance. Pourquoi ? Je vous explique. Parce que c'est eux, c'est ces gens-là qui nous ont transmis le Coran, n'est-ce pas ? C'est ces gens-là qui nous ont transmis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas ? Si on remet en question leur intégrité, on est en train de remettre en question quoi ? Toute la base de la foi musulmane. On remet en question tout. Si on parle des compagnons, les compagnons du prophète qui ont reçu l'éducation prophétique, et on dit d'eux qu'ils ne sont pas intègres, mais qui sera intègre donc ? Personne. Donc, si on dit que les compagnons ne sont pas intègres, on est en train de détruire toutes les bases de l'islam. Toutes les bases de l'islam, on peut les détruire en mettant en cause les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que moralement, dans le plan de la foi, de l'adoration, les compagnons sont des gens intègres. Et justement, il y a beaucoup de certains orientalistes qui vont, pour s'attaquer, certains, hein, je ne généralise pas bien sûr, mais certains qui étudient l'islam dans l'objectif de trouver des failles et de nuire à l'islam, ces certains orientalistes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont pas s'attaquer frontalement à l'islam, d'accord ? À ses principes, mais ils vont s'attaquer aux compagnons. Ils vont nous dire, Abu Huraira, d'accord ? C'était un homme qui... Abu Huraira, il a rapporté 5000 hadiths. C'est parmi les gens qui ont accompagné beaucoup le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'écouter et pour transmettre ses paroles. Et donc, ils vont parler de Abu Huraira qui soutenait le pouvoir corrompu, qui n'était pas intègre. Et donc, si les gens croient que Abu Huraira n'était pas une personne intègre, ben, on va écarter 5000 hadiths qui sont la plupart authentiques de notre sunna, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont parler de Muawiyah, ils vont parler de Aïcha, mais il y en a certains qui vont parler de Ali, de Abu Bakr, de Ali, de Omar, de Uthman. Et on remet en question l'intégrité de ces personnes-là qui sont pour nous des références. Et c'est eux qui nous ont transmis notre foi musulmane. Donc faites attention. Et vous allez trouver beaucoup d'histoires, et c'est pour ça que je vous mets en garde, bien sûr, c'est important, des histoires qui sont faibles, qui n'ont aucune réalité historique. Donc on va les prendre et on va dire, regardez ce que disent un tel et un tel et un tel sur Uthman. Regardez Uthman, qu'est-ce qu'il faisait ? Uthman, c'est le troisième calife. Si on remet en question Uthman, on est en train de remettre en question la collecte du Coran. On est en train de remettre en question la parole de Dieu, carrément. Parce que c'est Uthman qui a entrepris la collecte et l'écriture de le Coran en un seul livre. Donc si on remet en question ses intentions, si on remet en question son intégrité, on est en train de remettre en question notre foi. Vous avez compris, c'est très important de comprendre que pour nous musulmans, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous, d'accord, c'est pas des anges. Je ne dis pas que tous les compagnons étaient des anges. C'est pour ça que même les savants musulmans, quand on a une parole d'un compagnon, on a le droit de la suivre ou de ne pas la suivre. Ce n'est pas comme la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a un hadith, c'est le prophète qui parle. Là, on ne peut pas dire non, je ne suis pas. Mais, qawl al-sahabi, quand on a une parole d'un compagnon, les savants ne sont pas... Certains disent, moi je vais la suivre parce que c'est un compagnon. Comme l'imam Ahmed ibn Hanbal, il dit, du moment où j'ai une parole d'un compagnon, pour moi je suis. Je ne discute pas. Abu Hanifa dit, non, non. Quand j'ai une parole d'un compagnon, je peux la suivre comme je peux ne pas la suivre. Un compagnon, c'est un être humain comme les autres. Il n'a aucune infaillibilité. L'infaillibilité, elle est donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La yantiqu anil hawa. Il ne prononce aucune parole sous l'effet de la passion. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, ils peuvent se tromper. Ils ne peuvent pas mentir, non. Mais ils peuvent se tromper. Donc c'est pour ça que, concernant l'avis d'un compagnon, on peut le prendre comme on peut ne pas le prendre. Mais il faut être certain
que les compagnons sont intègres dans leur moralité et dans leur transmission de ce qu'ils ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que je voulais dire. Et pour commencer, on a accentué énormément le conflit entre les compagnons, jusqu'au point où certains musulmans, quand on lit les histoires de cette époque-là, les guerres qui ont éclaté entre Ali et Muawiya ou Aïcha radhiyallahu anha, d'accord, on veut pas écouter, on veut pas entendre de ça et on évite d'en parler. Ça, c'est l'attitude, j'allais dire, la meilleure. Et il y a une autre attitude, c'est commencer à rentrer dans ce conflit-là et de taxer Ali de telle chose, ou taxer Muawiya de telle chose, ou taxer les compagnons Aïcha radhiyallahu anha, comme on fait nos frères chiites, qui, à un moment donné, ils ont tellement détesté les compagnons, qu'ils ont détesté Abu Bakr, qu'ils ont détesté Omar, ils ont détesté Uthman, ils ont traité de Aïcha radhiyallahu anha. Et ça, c'est une attitude qu'on ne peut pas avoir. Comment peut-on aimer un être qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prétendre suivre sa voix et insulter sa femme, insulter ses compagnons les plus proches de lui, ceux qui l'ont suivi, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui ont tout donné pour lui? C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette manière de voir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, tous les sunnites et beaucoup beaucoup de chiites aiment les compagnons, tous les respectent tous, et on n'en fait pas des anges, mais pour nous c'est la meilleure génération et c'est des exemples pour nous à suivre. Et c'est pour ça que c'est important de connaître la vie des compagnons. Et je commence par parler de Abu Bakr Siddiq. Avant, je veux juste vous lire ce que dit Abdullah ibn Mas'ud. Il dit une parole magnifique. Il dit: celui qui veut un modèle à suivre, qu'il le prenne auprès de ceux qui ne sont plus de ce monde. Il parle des compagnons qui sont déjà morts. Ou d'une manière générale, de ceux qui sont déjà morts. Car le vivant est toujours sujet à la tentation. Tu prends jamais un être humain, une personne vivante comme modèle, et tu vas le suivre sur tout. Non, jamais. Pourquoi? Parce que le vivant est toujours sujet à la tentation. Aujourd'hui, il est comme ça, demain, on ne sait pas. On est encore vivant, et Shaitan est là, et la tentation de la vie, on ne sait pas. D'accord? C'est pour ça que quand tu suis quelqu'un, il faut le suivre avec discernement. On ne suit jamais quelqu'un les yeux fermés. Jamais. Je suis... sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Mais je ne suis jamais quelqu'un les yeux fermés de celui, j'ai complètement confiance en lui à 200% et je ne me pose même pas la question. Ah non, laisse toujours à ta raison sa place, au discernement sa place dans ta vie. Et si tu suis une personne, un savant ou une personnalité, ben, si cette personne à un moment donné dit quelque chose qui n'est pas à entendre, ou qui contredit la raison, ou qui contredit l'islam, à un moment donné, il faut aussi prendre ses positions, parce que personne n'est à l'abri d'être sujet à la tentation. Voilà ce que Abdullah ibn Mas'ud nous dit. Et après, il dit: voici les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient les meilleurs de cette umma, avec les plus bons cœurs, parce qu'Allah les a choisis, ces gens-là. Allah les a choisis. Allah les a choisis pour accompagner le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Être Abu Bakr, ou être Omar, ou être Uthman, ou Ali, être un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas donné à tout le monde, d'accord? C'est pour ça qu'on croit, en tant que musulman, que Allah a choisi ces personnes-là, il les a choisis pour qu'ils soient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud, il dit: ils étaient les meilleurs de cette umma, avec les plus bons cœurs, le plus profond savoir. Ils ont le savoir profond. C'est pas le savoir artificiel. La plus simple vie, une vie simple. Vivez dans la simplicité. Des gens que Dieu a choisis pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam et établir sa religion. Reconnaissez leurs mérites, suivez leur exemple. Attachez-vous autant que vous le pouvez à leur caractère et à leur religiosité. Ils étaient sur une guidance rectiligne. Voilà une très belle parole qui nous permet de connaître et de reconnaître les mérites de ces gens-là qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah parle d'eux. Il dit par exemple de ses compagnons: Dieu a été satisfait des croyants qui t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre.
Vous vous souvenez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est engagé pour aller faire la Umrah et que Quraysh l'a empêché de le faire. Il y a certains compagnons qui étaient avec lui, 300 et quelques, qui ont donné un serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous un arbre. Allah parle de ces gens-là, il dit « Dieu a été satisfait, radiyallahu, laqad radiyallahu » des croyants qui t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Ils savaient quel sentiment les animait. Aussi fit-il naître la quiétude dans leur cœur et leur accorda en récompense une victoire rapide. La victoire qu'Allah leur a accordée, c'est la victoire de la paix, c'est-à-dire la trêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instaurée avec Quraysh pendant 10 ans. C'est ça la victoire. Quand on réfléchit, Allah parle de victoire, mais c'est une période de paix où l'islam s'est propagé rapidement. Allah dit dans un autre verset, quant aux émigrés et aux auxiliaires, les auxiliaires c'est l'ansar, c'est les gens de Médine qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les émigrés c'est les gens de la Mecque qui sont partis à Médine pour vivre leur foi dans cette ville. Quant aux émigrés et aux auxiliaires qui ont été les premiers à se joindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'accueillir, ainsi que ceux qui les ont suivis dans un élan sincère, Dieu est satisfait d'eux, comme ils seront satisfaits de ses faveurs, car il a préparé à leur intention des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et où leur séjour sera éternel. Et donc c'est pour ça, ça vient de ces deux versets, quand on entend le nom d'un compagnon, on dit « radiyallahu anhu ». Pourquoi on dit « radiyallahu anhu » ? Qu'Allah soit satisfait de lui. Parce qu'Allah nous dit ici dans le Coran al-Karim, Allah est satisfait d'eux. D'accord. Allah nous dit dans un autre verset, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. En revanche, celui qui a apporté le message de vérité, il parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui y ont adhéré, ceux-là sont les véritables croyants. Donc, ceux qui adhèrent au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les véritables croyants. Et ici, on peut le traduire au singulier, et c'est pour ça que les savants disent ce verset parle de Abu Bakr Siddiq parce qu'il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam dès la première fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, n'insultez pas mes compagnons, n'insultez pas mes compagnons. Par Allah, même si l'un de vous dépense pour Allah, dépense en charité, en don, l'équivalent de la montagne de Uhud d'or en or, cela ne vaut pas le poignet d'une dépense de l'un de mes compagnons. C'est-à-dire que si un compagnon dépense juste un peu de blé ou un peu de... C'est meilleur pour lui que si quelqu'un de nous dépense la montagne de Uhud, Zahab, c'est en or. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ça? Parce que c'est des gens qui l'ont soutenu dans les moments les plus difficiles. C'est des gens qu'Allah a choisis. Allah leur a donné un mérite particulier. Nous n'avons pas à les insulter ou à les mépriser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour avec Abu Bakr, Omar et Uthman. Ils étaient trois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont montés sur la montagne de Uhud. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont senti que la montagne bougeait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à la montagne, parce que cette montagne elle est particulière, elle aime les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, une relation d'affection entre la montagne de Uhud et la foi musulmane. Il dit à la montagne, calme-toi, sur toi il y a un prophète, parlant de lui, un siddiq, un homme véridique, il parle de Abu Bakr, et deux martyrs, il parle de Omar et Uthman. Parce qu'ils étaient tous les deux martyrs. Donc, il dit à la montagne, calme-toi, sur toi, il y a quatre personnes, un prophète, un véridique et deux martyrs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la personne qui m'a rendu le plus grand service dans ma compagnie, c'est Abu Bakr Siddiq. Et si je devais prendre un ami intime, je prendrais Abu Bakr Siddiq. Mais c'est la fraternité de l'islam et son affection. Toutes les portes de la mosquée doivent se fermer, sauf la porte de Abu Bakr.
C'est-à-dire que le prophète aimait tellement Abu Bakr, il lui donnait une place très très particulière. Et il dit que c'est lui qui l'a soutenu dans les moments les plus difficiles. Et que l'argent que Abu Bakr a mis à la disposition de sa cause, de la cause de l'islam, était l'argent le plus utile. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: chacun de vous qui nous a rendu un service, on lui a donné, on l'a récompensé pour son service, sauf Abu Bakr. J'espère qu'Allah le récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Abu Bakr, on ne lui a pas rendu les services qu'il a rendus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: aucun argent n'était pour moi utile comme l'argent de Abu Bakr. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Un jour, il y a eu un petit différend entre Abu Bakr et Omar. Donc il y a eu un petit conflit entre Abu Bakr et Omar. Donc Abu Bakr est venu voir Omar pour lui demander pardon. Et regardez ses qualités. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'orgueil vis-à-vis de son frère Omar, et il lui a demandé pardon. Et Omar ne voulait pas pardonner. Omar est rentré chez lui sans donner ce pardon à Abu Bakr Siddiq. Et Abu Bakr est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre auprès de lui par rapport à cette attitude de Omar. Je lui ai pourtant demandé pardon, il n'a pas voulu accepter mes excuses. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très très en colère contre Omar. Quand Omar est arrivé pour accepter, Omar, il a réfléchi, il était chez lui, il a réfléchi, il dit: mais ça ne se fait pas, allez, je vais le voir pour lui pardonner. Et là, quand il arrive devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il était énervé contre Omar, il lui dit: comment ça se fait que Abu Bakr vient te demander, s'excuser auprès de toi et tu n'acceptes pas ses excuses? Et il a dit une parole très importante: Inna Allah ba'athani ilaykum. Dieu m'a envoyé vers vous. Vous avez tous dit, tu es un menteur, sauf Abu Bakr. Sauf Abu Bakr. Depuis le début, il a cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il était un homme véridique. Il a dit: tu es véridique. Vous avez tous dit, là il parle à Omar indirectement, pour lui montrer aussi la place de Abu Bakr que a le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son cœur. Vous avez tous dit, tu es un menteur, sauf Abu Bakr. Il a dit, sadaqt, tu dis la vérité. Il m'a soutenu par sa personne et son argent. Il a mis à ma disposition, sa propre personne, sa famille, on va le voir, son argent. Vous allez laisser tranquille mon ami intime. Vous allez laisser tranquille mon ami intime. Il le répète plusieurs fois. Et Omar, à ce moment-là, il a compris que la place qu'avait Abu Bakr dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam était très très particulière. Et on dit que depuis ce jour-là, parce que là il l'a dit devant tout le monde était là, depuis ce jour-là, personne n'a osé dire un mot de travers à Abu Bakr Siddiq. Depuis ce jour-là, Abu Bakr avait, bien sûr, il avait toujours sa place, mais quand ils ont vu à quel point le prophète était en colère, parce que Abu Bakr l'été, là, ils ont compris qu'il ne faut pas mettre Abu Bakr en colère, parce que sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sera. Et la totalité des savants musulmans, Ahl Sunnah wal Jama'a, donc les gens, les sunnites d'une manière générale, tous les savants sunnites disent que la meilleure personne après les prophètes, d'accord, qu'Allah a choisi, bien sûr, les prophètes, c'est les prophètes, les messagers de Dieu, c'est eux qu'Allah a choisi directement. Mais la meilleure personne après les prophètes, c'est Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu wa arda. Donc, il est Abdullah ibn Abi Quhafa. On l'appelle Abdullah ibn Abi Quhafa. Son père s'appelle Abu Quhafa, il s'appelle Uthman ibn Amir al-Qurashi. Al-Qurashi, c'est-à-dire il est de Quraysh. Et son arbre généalogique rejoint celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sixième grand-père. C'est-à-dire son sixième grand-père est le même avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa mère était la cousine paternelle de son père. D'accord. On dit qu'avant d'entrer à l'islam, il s'appelait Abdul Ka'b. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est devenu musulman, il s'appelait Abdul Ka'b. Et Abu Bakr, c'est son surnom.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est devenu musulman, il a dit non, on n'a pas le droit de s'appeler Abdul Ka'ba, tu es Abdullah. D'accord ? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne changeait pas les prénoms des gens qui devenaient musulmans, sauf dans le cas où leur prénom est contradictoire avec la foi musulmane. Abdul Ka'ba, ça n'existe pas chez nous. On ne peut pas être Abd al-Ka'ba. D'accord ? Le serviteur de la Ka'ba. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi de lui changer de prénom. C'est pour ça que quand une personne se convertit à l'islam, on n'a pas besoin de lui changer de prénom. S'il s'appelle Mathieu, mais il reste Mathieu. Hein. Il n'y a pas de problème. Il s'appelle, je ne sais pas, Virginie, reste Virginie, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas à demander le prénom que ses parents lui ont donné. C'est, sauf si ce prénom-là contredit la foi musulmane. Ah ben, quand le prénom contredit la foi musulmane, on lui dit non, là maintenant, puisque tu es devenu musulman, ton prénom est incompatible avec les bases de la foi musulmane, ben on le change. D'accord ? Voilà ce que je voulais dire à partir de cette petite remarque, que le prophète a changé le nom Abdul Ka'ba, il l'a mis Abdullah. Il est né 3 ans après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 ans après Amul Fil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, comme vous le savez, l'année de l'éléphant. Lui, il est né 3 ans après. Il avait le visage blanc, le corps fin, la barbe sur les joues, elle n'était pas très fournie, peu de barbe sur les joues, et il avait un front qui avançait un peu, donc il a un visage très caractérisé, d'accord ? Un front avancé. Donc c'était un homme pas très grand, pas très petit, fin, de couleur, et la barbe pas très fournie. Il a été le premier des hommes à embrasser l'islam à l'âge de 37 ans. Le premier jour, pratiquement. Les premiers jours, quand le prophète est devenu prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr l'est devenu, tout de suite. Il faisait partie des notables de Quraysh et comptait parmi leurs savants. Il était très particulièrement connaisseur des arbres généalogiques des Arabes. C'était le plus grand spécialiste, d'ailleurs. On venait le voir pour demander l'arbre généalogique de chaque tribu. Il connaissait toutes les tribus arabes. Et quand il était un commerçant, et les gens venaient discuter avec lui de partout, des villes à côté de la Mecque, et il avait une très très bonne discussion. C'est-à-dire que quelqu'un, quand tu es avec lui, tu ne t'ennuies pas. Il était savant, d'accord ? Il connaissait beaucoup de choses, commerçant, il voyageait beaucoup. Et donc il avait un verbe très facile, très accessible. Un homme avec qui tu t'ennuies pas. Il trouvera toujours quelque chose pour parler aux gens, pour les mettre à l'aise. Voilà des caractéristiques de Abu Bakr as-Siddiq. C'était un homme aimé par tout le monde. Il inspirait le respect chez tout le monde. Courageux, patient, généreux, compatissant. Et donc il a vécu 37 ans avant l'islam et 26 ans après l'islam. Il a vécu musulman pendant 26 ans. Il ne s'est jamais prosterné devant une idole à la Mecque. Jamais Abu Bakr Siddiq ne s'est prosterné devant des statues. Pourtant, toute l'Arabie, toute la Mecque était basée en quelque sorte, la croyance mécoise était basée sur ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes entre Abu Bakr et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on sait très bien que le prophète aussi ne s'est jamais prosterné. On dit que quand il était petit, son papa l'a amené dans un lieu où il y avait beaucoup de statues. Il a pris une pierre et il l'a jetée. D'abord, il a demandé aux statues, « Donnez-moi à manger, donnez-moi à boire. » Abu Bakr as-Siddiq, « Donnez-moi à boire. » Et pourquoi vous ne me répondez pas ? Et quand il a vu que, voilà, c'est des statues, ils ne peuvent rien faire, ben il a pris des cailloux, il les a jetés, il les a cassés. Et à partir de ce jour-là, il ne s'est jamais prosterné devant des statues. Il n'a jamais bu d'alcool ni de vin. D'ailleurs, quand il était, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était jeune, un jour, il a vu une personne, quelqu'un qui était ivre, un homme ivre. Il a tellement bu que, donc, il prenait de la saleté. De la saleté, il la mettait devant sa bouche, d'accord ? Il était tellement ivre qu'il prenait de la saleté pour la manger, et quand il mettait devant sa bouche, ça sentait tellement mauvais qu'il la rejette. Et après, il le refait, il la rejette. Et là, il était jeune, il n'a pas encore commencé à boire.
Mais quand il a vu ça, il a dit, mais cette personne, pourquoi elle fait ça? Elle est ivre, d'accord? Elle a trop bu de vin. Il a dit, par Dieu, je ne toucherai plus jamais, je ne toucherai jamais au vin. C'est pour ça qu'il n'a jamais bu d'alcool. Il n'a jamais bu d'alcool dans sa vie, Abu Bakr al-Siddiq. Il ne s'est jamais prosterné. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on dirait qu'Allah le prépare à cette mission qui était d'accompagner son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était un commerçant aisé. Il avait des moyens. Il était commerçant. Il se maria avant l'islam avec Kuthayla bintu Abd al-Uzza. C'est un mariage qui a donné naissance à deux enfants, Asma et Abdullah. Il avait donc, de ce mariage-là, deux enfants, Asma et Abdullah. Deux grandes figures de l'islam. On va parler de Asma. Tout le monde connaît Asma. Et Abdullah, le fils de... On va en parler aussi. Et après, il a épousé une autre femme qui s'appelait Ummu Rumman. Et cette femme-là lui a donné Abdurrahman et Aïcha, radiyallahu anha, Aïcha, la mère des croyants. Aïcha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la fille de Abu Bakr. Donc elle et Abdurrahman, leur maman s'appelait Ummu Rumman. Elle est devenue croyante parce qu'elle était, elle vivait avec Abu Bakr à l'époque. D'accord ? Et il épousa aussi par la suite, après l'islam, il épousa Asma bint Umays. Asma bint Umays est particulier parce que son mari, c'est Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib, il est mort pendant une bataille, la bataille de Mu'tah. Et dans l'habitude des compagnons, c'est quand un compagnon meurt, quand, ça a été aussi une règle chez les Arabes aussi avant, c'est de ne pas laisser, de prendre en charge ses enfants en quelque sorte et de se marier avec les femmes des gens qui meurent. Et donc Asma bint Umays, c'était une femme de haut rang, ben Abu Bakr l'a demandé au mariage, il s'est marié avec elle et elle lui donne le Muhammad, son fils Muhammad ibn Abi Bakr. Et avant d'épouser Habiba bint Zayd, Al-Khazrajiya, une médinoise, et qui lui donne aussi Umm Kulthum. Donc, si on résume, Abu Bakr s'est marié quatre fois, et il a six enfants de ses mariages. Parmi eux, les plus grandes figures de l'islam, Aïcha radiallahu anha, Umm al-Mu'minin, vous avez Asma, qui a une histoire très très grande dans la religion musulmane, vous avez aussi Abdullah, vous avez Mohammed, vous avez d'autres, tous les... Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'Abu Bakr, toute sa famille, y compris ses deux parents, sont devenus musulmans. Abu Bakr était l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam. Il a voyagé avec lui. Il le connaissait. Il aimait beaucoup sa présence, sa compagnie. Le prophète ne fréquentait pas beaucoup de personnes, mais parmi les gens que le prophète fréquentait, c'est Abu Bakr Siddiq. D'ailleurs, il a voyagé avec lui pour du commerce en Syrie. Et pourquoi ils s'entendaient très bien? Parce que tous les deux avaient des caractères nobles. C'était des gens extraordinaires. Ils avaient vraiment une très très bonne moralité tous les deux. Donc ils ont voyagé ensemble et ces voyages ont lié, ont permis à tous les deux d'avoir des liens d'amitié et de fraternité qu'on va voir aussi par la suite. Et c'est pour ça que Abu Bakr, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé de l'islam, mais il n'a même pas réfléchi. Il n'a même pas besoin de réfléchir. Imaginez que tu as ton pote, que tu connais très bien, c'est ton ami, tu le connais très bien, tu connais tout sur lui. Et bien, quand il vient t'en donner une information, ben voilà, c'est pour ça que Abu Bakr, on va le voir, c'est tout de suite, il est devenu le premier homme qui est devenu musulman, c'est Abu Bakr Siddiq. Avant lui, l'honneur, c'était Khadija radiallahu anha. Elle le soutient, le plus grand du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa femme Khadija. Dès qu'il lui a dit, tout de suite, elle l'a consolé, elle l'a soutenu par des paroles magnifiques. Hein, et elle a su trouver les mots dans un moment de doute chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un grand moment de doute, d'hésitation. C'est même pas ce qui lui arrive. Et elle sait. Elle a su lui trouver les... C'était elle la première musulmane. Et après, Ali, c'était son cousin qui vivait comme son fils. Et Zayd, ses filles sont devenues musulmanes tout de suite, bien sûr, les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Mais les gens qui ne sont pas de sa propre famille, le premier que le prophète a contacté, c'est Abu Bakr Siddiq. Bah, il le connaissait, et c'était son ami intime. Dès qu'il lui a parlé de l'islam, Abu Bakr a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite, sans aucune hésitation. L'islam d'Abu Bakr n'était pas un islam qui vient comme ça, c'était le fruit d'une recherche aussi. Abu Bakr fréquentait certains chrétiens. D'ailleurs, il a déjà entendu parler de l'arrivée d'un prophète. Et un jour, parce que vous savez, à la Mecque, il y avait certains chrétiens, majoritairement les chrétiens arabes étaient des chrétiens non trinitaires. Ils ne croyaient pas à la Trinité, ils ne croyaient pas que Jésus est le Fils de Dieu, ils croyaient à la vraie chrétienté, d'accord, que de Jésus qui était le messager de Dieu, d'accord. Parmi eux, Waraqa ibn Nawfal. Vous vous souvenez de Waraqa ibn Nawfal, c'est lui contre Khadija, c'est le cousin de Khadija. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le message, Khadija lui dit, ne t'inquiète pas. Et elle l'a amené avec elle pour voir son cousin. Et c'est là que Waraqa lui dit, ben, c'est le même message qu'a reçu Moussa, qu'a reçu Issa, qu'a reçu Ibrahim. Il lui a expliqué. Donc, un jour, Abu Bakr Siddiq, avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devienne prophète, il a entendu. Donc à la Mecque, il y avait Ahnaf. Ahnaf, c'est les gens qui ont suivi la religion de Ibrahim, qui sont restés sur la voie de Ibrahim. Donc croyants, monothéistes, croient en un seul Dieu, mais sans pratique. Ils croyaient au jour du jugement dernier, mais ils attendaient. Ils n'avaient pas beaucoup de transmission, ils n'avaient pas beaucoup d'informations. C'était juste des croyants en Dieu unique, de faire le bien, et qu'après la mort, il y a la vie. Alors que les Arabes, majoritairement, ne croyaient pas à la vie après la mort. Ils ne croyaient pas à la vie après la mort, ni à la résurrection. Et donc, Abu Bakr, un jour, il a entendu un poète parmi les Ahnaf. C'est pas l'école Hanafite, hein, je ne parle pas. C'est pas du tout l'école Hanafite. Ça, c'est autre chose. L'Ahnaf, c'est une génération qui existait avant l'islam et qui suivait la religion de Ibrahim, alayhi salam. Et donc, juste pour vous dire que Ibrahim était sensible, que Abu Bakr était sensible à la foi. Il avait cette information qu'un prophète allait arriver. Et Waraqa ibn Nawfal lui a même précisé que ce prophète pourrait être dans la tribu. La tribu de Quraysh. Donc Abu Bakr était sensible, il attendait. Et quand c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu ce message-là, ben, il n'a pas hésité une seule. Ce n'était pas de la précipitation, ce n'était pas de la naïveté de la part de Abu Bakr Siddiq. Il n'était pas naïf, n'était pas dans la précipitation. Quand le prophète lui a dit, ah ben, c'est mon pote, allez, je vais croire tout simplement. Non, non, pas du tout. Il a bien réfléchi à Abu Bakr. Il connaissait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il savait qu'il allait avoir quelque chose. Vous vous souvenez des sorciers dans l'histoire de Moïse, quand ils ont vu avec leurs propres yeux ce qui s'est passé devant eux et que leurs artifices, leurs bâtons, leurs cordes ont été avalés complètement par le serpent de Moïse, ils se sont tout de suite prosternés. Avant, là il y a une heure, ils étaient sorciers, des gens qui appelaient au mal, qui faisaient du mal. Et là maintenant, ils sont devenus des croyants incroyables, des croyants prêts à donner leur vie. D'ailleurs, ils ont donné leur vie. Pharaon, il les a pas laissés, il les a tués tous. Vous savez, c'est ce changement très rapide, mais qui est basé sur la foi profonde. C'est ça Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, dès qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est la vérité, ça vient de toi, mais le contenu du message que tu me livres, c'est celui que j'attends. Un message qui croit en un Dieu unique, créateur de ce monde, un Dieu bon, miséricordieux, juste. Un message qui appelle à la bonté, à la moralité, mais c'est ce message que j'attends moi. C'est ce que j'attends depuis longtemps. Vous voyez un peu comment ce changement s'opère, c'est pas comme ça. C'est pas de la naïveté, c'est pas de la précipitation. C'est le discernement qu'Allah lui a donné. C'est le discernement qu'Allah a donné à Abu Bakr al-Siddiq. Donc, Abu Bakr est un homme d'action.
c'est un homme d'action. Dès qu'il est devenu musulman, il ne s'est pas dit « Alhamdoulilah, moi je suis musulman, fier de l'être, et je garde ma foi pour moi, et les autres, ce n'est pas mon affaire. » Non, non, non. Abu Bakr, il était le premier soutien au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, ben, moi je suis musulman, alhamdoulilah, je profite de ma foi, de ma, l'équilibre que m'apporte ma foi. Mais les gens qui sont autour de moi, ben, tant pis pour eux. Ils ne sont pas croyants, ils ne sont pas musulmans, tant pis. Abu Bakr n'était pas comme ça, c'était un homme d'action. Il a dit, moi j'ai la foi, j'ai un trésor que Dieu m'a donné, ben, je ne le garde pas uniquement pour moi. Ben, je vais essayer de témoigner, de donner ce trésor, de partager ce trésor avec d'autres personnes. C'était le premier ambassadeur de l'islam. Il a mis toutes ses compétences, toute sa famille, tout son savoir au service de sa foi. Donc son accessibilité, sa bienveillance, toutes ces choses-là ont joué un rôle très important par la suite dans la transmission de la da'wah. Et c'était un vrai da'iyah, un vrai homme qui a appelé à Allah subhanahu wa ta'ala. On va le voir. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a présenté Abdurrahman ibn Auf au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a présenté Uthman ibn Affan au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a présenté les plus grands compagnons. C'est lui qui les a abordés et qui leur a dit « Venez me voir, venez, on va voir le prophète ensemble. » Il les a même convaincus de devenir musulmans avant même de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont partis voir le prophète juste pour dire la shahada. Mais qui les a convaincus de la véracité du message de l'islam? Mais c'est Abu Bakr. C'est Abu Bakr qui, bien sûr, le prophète a fait un travail, mais Abu Bakr a fait un travail aussi avec d'autres compagnons que le prophète ne connaissait pas forcément. Et on a des exemples. Uthman ibn Affan, comment il est devenu musulman? C'est parce qu'Abu Bakr l'a abordé. Il lui a expliqué l'islam. Il lui a lu le Coran. Et Uthman, quand il a entendu le Coran al-Karim, ben, tout de suite, il a cru... Abdurrahman ibn Auf, vous avez 6 compagnons parmi les 10 à qui le prophète a promis le paradis, mais c'est Abu Bakr qui les a convaincus de devenir musulmans. Talha ibn Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, comme je viens de le dire, Sa'd ibn Abi Waqqas, Zubayr ibn Awam, c'est les plus grands compagnons qui sont devenus musulmans grâce à l'effort de Abu Bakr Siddiq. Autre chose, il a mis toute sa richesse au service de l'islam. Toute sa richesse. C'était un grand commerçant. Il avait un capital très important. Et tout ça, il l'a mis à la disposition de l'islam. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a racheté, comme vous le savez, les esclaves, quand ils devenaient musulmans, notamment Bilal, par exemple, Zinnira, d'autres esclaves. Il y en a, on a au moins 6 ou 7 que Abu Bakr a libérés. Quand ils sont devenus musulmans, leurs propriétaires, il y avait l'esclavage de l'époque, ne voulaient pas qu'ils deviennent musulmans. Et donc ils les ont empêchés de devenir musulmans, ils les ont torturés. Et Abu Bakr ne supportait pas cela. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il va les racheter. Et avec un prix qui était très, très élevé. Mais il était prêt à mettre beaucoup d'argent pour racheter la liberté de ces gens-là et leur donner leur liberté. Donc comme vous le savez, il a racheté Bilal. Pas pour devenir son esclave, attention, pour lui donner sa liberté. Pour lui donner sa liberté. Bilal est devenu libre. Et Bilal et Zinnira, libre. Beaucoup d'esclaves qui sont devenus libres. Et c'est Abu Bakr qui les a achetés, qui a acheté leur liberté. Et il leur a donné cette liberté. Son père lui disait, il se moque de lui, il lui dit, bah, toi, ton argent, t'en fais n'importe quoi parce que tu le gaspilles. Au moins, si tu libères des gens qui sont forts pour te protéger. Garde-les au moins tes esclaves. Tu leur donnes comme ça, au moins ils ont la liberté de croire. Parce qu'ils sont... Mais garde-les au moins qu'ils soient tes esclaves à toi. Abu Bakr, non, il avait une autre logique. Son père, Abu Quhafa, il avait une logique, mais Abu Bakr avait une autre logique. Et toute sa famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, est devenue musulmane avant l'Hijr. Sauf son père. Son père est devenu musulman le jour de... la conquête de la Mecque. Mais sa maman est devenue musulmane avant l'Hijr. Toutes ses filles sont devenues musulmanes. Tous ses garçons sont devenus musulmans. Toute sa famille est devenue musulmane. Sauf son papa,
qui a résisté, on va dire, jusqu'au jour de la conquête de la Mecque, où il est devenu musulman convaincu. Il était certain de la parole de Dieu. On raconte cette petite histoire que je vous raconte. Vous savez, les deux grandes puissances de l'époque, c'était les Perses et les Romains. Les Perses et les Romains. Il y a eu une bataille entre les Perses et les Romains, et les Perses ont gagné la bataille contre les Romains. Et on a entendu parler de ça à la Mecque. Les musulmans étaient tristes, et les non-musulmans de la Mecque étaient très contents. Pourquoi ? Parce que les musulmans, les Perses étaient non-croyants, et les Romains étaient chrétiens. D'accord ? Les musulmans se sentaient plus proches des chrétiens que des Perses. Alors que les Mécois se sentaient plus proches des Perses que des Romains. D'accord ? Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, les musulmans étaient très tristes d'apprendre que les chrétiens, les Romains chrétiens ont perdu la guerre. Et les Mécois, ils étaient très fiers. D'ailleurs, ils narguaient beaucoup les musulmans. Regardez, vous voyez vos frères qui croient comme vous. Regardez, ils se sont fait tuer par les Perses. Donc, ils étaient tellement tristes. Et que Allah, par la suite, a révélé. Vous avez la sourate à Rome. Vous avez... Lisez la sourate avant, elle commence par dire Ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Les Romains ont perdu la guerre, hein, en Palestine ou en Syrie, hein, et dans quelques années, ils vont avoir la victoire. Dans quelques années, ils vont avoir la victoire. Et là, les croyants étaient contents. Et Abu Bakr, quand il a appris que le Coran dit dans quelques années les Romains vont gagner la guerre, il est parti voir les Mécois pour leur dire ben, il ne faut pas être content, hein, vous allez voir que dans quelques années, c'est les Romains qui vont gagner. Et les autres, mais c'est pas possible, regarde, maintenant ils sont écrasés complètement, c'est pas possible, tu es en train de dire n'importe quoi. Mais Abu Bakr, il était convaincu parce que Allah le dit dans le Coran al-Karim. Il avait la conviction de tout ce que Allah a dit, c'est la vérité. Donc, Ubay ibn Ka'b lui dit, mais tu paries, je suis prêt à parier avec toi 10 chameaux. Si les Romains gagnent, je te donne 10 chameaux. Et s'ils ne gagnent pas, tu me donnes 10 chameaux. D'accord ? C'est un pari. Avant, ce n'était pas interdit. Et Abu Bakr lui dit, oui, je suis prêt. Allez, dans 3 ans, je peux te dire que dans 3 ans, les Romains vont gagner. Et il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, voilà. Moi je crois en ce que Allah dit et j'ai fait un pari avec Ubay. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais qui t'a dit que c'était dans 3 ans? Allah dit, fi bid'a sinin. Bid'a, dans la langue arabe, bid'a, c'est entre 3 et 9. C'est pas 3. Il dit, Abu Bakr, Allah n'a pas dit 3. T'étais engagé trop vite. Allah n'a pas dit 3. Il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, va le voir pour rallonger la durée, dis-lui 9 ans, d'accord, et augmente le prix, dis-lui 100 chameaux, d'accord, 100 chameaux et 9 ans. Abu Bakr est revenu voir Ubay ibn Ka'b, Ubay c'est l'un des grands Mécois, et il lui a dit, écoute, en réalité le Coran il nous dit Bira, et toi tu connais l'arabe, Bira c'est jusqu'à 9 ans, donc moi je suis prêt à rajouter 100 chameaux, mais allonger la durée à 9 ans. Il a dit, j'accepte, très bien. Ben les Mécois, les Romains ont gagné la guerre après l'hégire. Après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la 6e année, les Romains ont gagné la guerre contre les Perses. Et là, Abu Bakr, Ubay était déjà mort parce qu'il est mort pendant la bataille de Badr. Ceux qui suivent un peu la sirah. D'accord ? La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa famille, regardez les engagements des gens, sa famille, ses héritiers ont donné 100 chameaux à Abu Bakr Siddiq. On lui a donné 100 chameaux parce que le pari, c'est le pari. Eux, c'était un engagement. Pour eux, c'était un engagement. D'accord ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cette situation particulière. Donc, mais les jeux avec mise, ce n'est pas autorisé dans la religion musulmane. Je crois que je prends beaucoup de temps pour vous expliquer des choses, mais... Je voudrais juste m'arrêter quelques instants sur l'esclavage.
et vous dire que l'islam est une religion qui a combattu l'esclavage depuis le début. D'ailleurs, je crois que, moi sincèrement, je crois que l'islam a participé grandement à l'abolition de l'esclavage. Parce que à l'époque, quelles étaient les sources de l'esclavage? Deux sources. C'était quand on faisait une guerre. Après la guerre, les gens, les prisonniers, deviennent esclaves. C'était la règle. Dans toute l'Arabie, c'était la règle. Quand on fait une guerre, tous les prisonniers de guerre deviennent esclaves chez les autres. D'accord? Et après, et quelle est l'autre source de l'esclavage? C'est que les enfants des esclaves restent esclaves. C'est-à-dire que si on a une femme qui est esclave, ben, ses enfants restent esclaves. Et ça, c'est quelque chose que... Donc l'islam, qu'est-ce qu'il a fait pour abolir l'esclavage? Progressivement, bien sûr. Parce que imaginez que l'islam aurait interdit uniquement de son côté que les guerres ne donnent pas d'esclavage. Les gens, les autres, auraient gardé cette règle-là, et les musulmans n'appliquent pas cette règle. C'est-à-dire que si les musulmans sont vaincus dans une guerre, les musulmans deviennent esclaves, et le contraire n'était pas valable, donc c'était un peu une situation qui ne pouvait pas perdurer. C'est pour ça que l'islam a progressivement interdit l'esclavage. Il ne l'a pas interdit d'un seul coup, mais c'était prévu que dans quelques générations, il n'y aurait plus d'esclaves. D'accord ? Malheureusement, les musulmans n'ont pas continué dans le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé. Malheureusement. Donc l'islam, qu'est-ce qu'il a fait ? Allah subhanahu wa ta'ala nous demande pour des kafarat, des expiations. Les expiations, c'est-à-dire que celui qui ne jeûne pas le mois de Ramadan, par exemple, hein, ou par rapport au jeûne, par rapport à des actions, pour l'expiation, pour se faire pardonner, qu'est-ce que Allah nous demande ? Fatahriru raqaba. Vous devez libérer un esclave. Quand on libère un esclave, ben on a fait le nécessaire, on a expié la faute. Donc Allah a fait de ça comme une manière de libérer les esclaves. L'islam interdit, c'est-à-dire qu'un enfant d'un esclave, 5 minutes, très bien, un enfant d'un esclave n'est pas esclave. مَا تَسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسِ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا. Alors Omar al-Khattab, il dit, pourquoi vous prenez les gens comme esclaves alors que leurs mamans, disons, dès la naissance, ils sont nés libres. Donc l'islam interdit, on n'est pas esclave quand on est l'enfant d'un esclave. D'accord ? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de libérer les esclaves dans un verset. Que ne gravit-il la voie ascendante ? Mais sais-tu bien ce qu'est la voie ascendante ? La voie qui mène vers Dieu. C'est la pente qu'on gravite en libérant un être humain. Voilà. Fakku raqaba, libérer un être humain. Ou en nourrissant par temps de disette un parent orphelin. Ou un misérable terrassé par la faim. Voilà la voie qu'Allah nous demande de prendre. Cette voie commence par libérer les esclaves. Et si les musulmans étaient restés sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être même la deuxième ou la troisième génération, il n'y aurait plus d'esclaves. Et malheureusement, beaucoup de califes, par la suite, ce n'est pas les califes guidés, mais par la suite, ont fait perdurer l'esclavage. Et ce n'est pas le chemin que l'islam a tracé. Et il faut savoir une chose, c'est qu'aucun retour à l'esclavage, alhamdoulilah, l'humanité maintenant a annulé à juste titre l'esclavage, a aboli l'esclavage à juste titre. Et il ne faut pas qu'on y ait des gens comme on l'entend aujourd'hui, Daesh ou d'autres personnes, qui veulent remettre en place. Hein. Malheureusement, ils n'ont rien compris à la finalité de l'islam. Rien. Quand ce qu'on entend en Libye ou... Ils veulent remettre en place parce qu'ils n'ont rien compris à la finalité de l'islam. La finalité de l'islam, c'est d'abolir l'esclavage et de ne pas le garder, subhanallah. C'est une évidence. On le voit à travers le Coran al-Karim. Donc, non, l'esclavage ne fait pas partie de l'islam, pas du tout. Au contraire, la finalité de l'islam, c'est d'abolir l'esclavage. Abu Bakr était un grand soutien pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, on a frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, il arrive tout de suite pour repousser les gens autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les empêcher de le frapper. Ben, quand il les a empêchés, ben, ils l'ont frappé lui-même. Ils l'ont tellement frappé qu'il s'est évanoui. Tout le monde a dit que Abu Bakr allait mourir. Ils l'ont ramené,
ils l'ont porté jusqu'à chez lui, sa maison, et ils étaient autour de lui. Il y avait sa maman, Umm al-Khayr, sa maman qui était là, et ils l'ont soigné. Et jusqu'au soir, quand il s'est réveillé le soir, tout le monde allait, ils ont cru qu'il allait mourir, Abu Bakr Siddiq. Et quand il s'est réveillé le soir, la première chose qu'il a prononcée, Abu Bakr, qu'a-t-il fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qu'a-t-il fait? Ils l'ont frappé. Qu'a-t-il fait? Il a dit, mais t'inquiète pas, il est bien, ils t'ont frappé beaucoup plus que lui, il se porte bien. Et sa maman, donc les gens lui ont dit, donne-lui à manger un peu ou à boire. Il a refusé, il a dit, Wallahi, je ne mange rien, je ne bois rien sans voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de mes propres yeux. J'ai envie de le voir vivant. Et là, sa maman lui dit, mais non, c'est pas possible. Ici, il faisait nuit. Et là, il a dit, va voir Umm Jamil bint al-Khattab, la sœur de Omar. Elle cachait sa foi, elle. Elle était croyante, mais elle ne le disait à personne. Et elle est partie la voir, elle lui a dit, je veux m'informer sur Mohammed, qu'est-ce qu'il... Et c'est Abu Bakr, mon fils, qui demande des informations, des nouvelles sur le prophète Mohammed, sur Mohammed. Elle n'était pas croyante à ce moment-là, la maman d'Abu Bakr. Et Umm Jamil, bint al-Khattab, lui a dit, mais qui Mohammed? Qui est Abu Bakr? Je ne les connais pas, moi. En réalité, elle cachait sa foi, parce que, et elle croyait que peut-être cette femme a été envoyée par les Mécois pour l'espionner. Mais si tu veux, je viendrai avec toi voir ton fils, Abu Bakr. Il lui a dit, oui, viens avec moi. Donc Umm Jamil vient avec la maman d'Abu Bakr pour voir Abu Bakr. Et là, quand elle l'a vu, il lui a posé des questions sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a pleuré quand elle l'a vu comme ça. Et elle lui a dit, prenez-moi toutes les deux, accompagnez-moi jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il était au milieu, Umm Jamil d'un côté et sa maman de l'autre côté. Ils l'ont pris jusqu'à la chambre, la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a vu que le prophète était vivant, ben, il était soulagé. Et il a pleuré. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi a pleuré ce jour-là, parce qu'il a vu que Abu Bakr l'aimait plus que sa propre personne. Et à ce moment-là, il a dit, ô prophète de Dieu, voici ma maman. Demande à Dieu de la guider vers l'islam. Parle-lui de Dieu, parle-lui de l'islam. Lis-lui le Coran. Et à ce moment-là, sa maman, Umm al-Khayr, est devenue musulmane. La maman d'Abu Bakr Siddiq. Regardez l'amour qu'il avait pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était prêt à donner sa vie pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas voulu manger ni boire jusqu'où, quand il a vu le prophète, là il était soulagé, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je n'ai invité personne à embrasser l'islam sans qu'il y ait en lui une réflexion, une période de réflexion, un recul ou une hésitation, sauf Abu Bakr. Sauf Abu Bakr, aucune hésitation, aucune réflexion. Dès que je lui ai parlé de Dieu et de l'islam, il est devenu musulman. D'ailleurs, c'est pour ça que certains compagnons disent que Allah l'appelle As-Siddiq, Abu Bakr As-Siddiq. Et on raconte que Abu Bakr As-Siddiq, quand il a reçu l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne, d'accord, celui de l'ascension, le voyage nocturne et l'ascension, d'ailleurs c'est ce mois-ci, le 27 Rajab, hein, c'était avant-hier, quand les gens sont venus le voir pour lui raconter, lui dire, écoute Abu Bakr, avant c'était un peu bizarre ce que ton compagnon nous disait, mais maintenant il dit n'importe quoi, vraiment. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il prétend que hier soir, il est parti à Jérusalem, le soir même, et il est revenu le soir même. Alors que nous, pour aller à Jérusalem, il nous faut un mois aller et un mois retour. Voilà, tu vas pas nous dire tu crois à ça aussi? Je leur dis, mais oui, je crois à ça. Même s'il me disait qu'il est parti au ciel et qu'il est revenu, j'aurais cru en lui. Je leur dis, mais il l'a dit, là aussi il l'a dit. Radiallahu anhu. Donc il a cru en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en voyage nocturne. Alors que ça, c'était la cause de la négation de beaucoup de musulmans. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit, ah non. Beaucoup de personnes qui étaient musulmanes, quand ils ont entendu l'histoire de l'ascension, ben, ils ont nié l'islam. Ils ont dit, mais non, on va croire en ça quand même. Il ne va pas à Jérusalem, il revient la même nuit. C'est pas possible. Abu Bakr, il a dit, oui, c'est possible. Je le crois en plus que de ça. Je le crois quand il me dit que Allah lui parle, il lui adresse le Coran al-Karim. Pourquoi je ne le croirais pas quand il va me dire qu'il a voyagé de nuit? Allah est capable de tout, n'est-ce pas? Donc Abu Bakr Siddiq était un vrai croyant.
J'ai pas fini, mais je vais m'arrêter là quand même. J'ai pas fini la première partie. Hein. Je crois que vous êtes avec moi jusqu'à 20h et la salle est bien louée jusqu'à 20h. Ah, c'est bon. Donc ça c'est juste la première partie, j'ai pas encore fini, mais je vais essayer d'être un peu moins bavard tout à l'heure pour vous permettre de poser des questions, Charles.